ça va être récupéré ce ballon, bien sûr. Simirok, deux solutions, gauche et droite. C'est Lestienne et la première sortie réussie de William Dutoit. Alors que centre intéressant, c'est un ballon qui est finalement repoussé, qui ne sort pas. Limbombé. Formidable de William Dutoit sur une frappe lourde, coup de pied, enchaînement contrôle frappe. On lui laisse hein, évidemment l'occasion de frapper là. Ça va vite, le contrôle et la frappe. Puissance incroyable et William Dutoit. Attention, Sané, c'est un ballon que Polo Mpoku peut pousser. Limbombé, pied droit, rentrée frappée, on l'a connu avec Bruges, ou servir un ballon. Lestienne, c'est but. 0-1. Alors, William Dutoit qui se plaint chez l'arbitre, mais la relance de Sané a été problématique, la plein axe. Alors pourquoi ? J'ai pas compris pourquoi on se plaint du côté ostendais. Lothar Dont est à l'écoute du VAR. Mais en tout cas, le but me paraît valide. On ne voit pas trop qu'est-ce qui peut être contesté. Le centre de Limbombé, c'est Samuel Bastien qui est là. Bataille. Oh, magnifique! Le smash de la tête de Fashion Sakala. Et la joie type Cristiano Ronaldo. Centre de bataille, parfait. Prise de risque énorme. Sakala qui sert, Kalesin qui contrôle. C'est le feu, attention, standard en danger avant la mi-temps. Alors pour revoir la prise de balle et la frappe de Kanezin. C'était une balle de Buzyn. Attention à se méfier d'Ensakala. Bien fait, Simirot sur son pied gauche, c'était plus compliqué. Il a quand même envoyé quelque chose. Et la droite d'Empoku, on aurait dû inverser là sur ce coup-là. Et derrière, le plat du pied, c'est but. Samuel Bastien. Pour l'intérieur du pied, une course vers son public. Pas d'appel au VAR cette fois-ci. Le standard prend l'avantage dans ce moment fort hein, du club. Et là, à ce moment-ci du match. C'était vite encore une fois. Contrôle le frappe, un petit peu comme en première mi-temps avec sa reprise. Extérieur du pied, intérieur du pied. Ça joue vite, ça joue bien. Le standard mène 1-2. Et à quelques jours de son anniversaire, Samuel Bastien marque son premier but de la saison. Il en avait marqué 2 la saison dernière. Et en 3 ans, 2 qualifs pour l'Europa League. Allez, la balle du 1-3. Voilà, superbe. Superbe de Lestienne. Et cette connexion Mpoku. Lestienne était recherché depuis le début de cette deuxième mi-temps. Maxime Lestienne pour un doublé, la passe, le crochet court immédiatement, et une fois qu'il est face au but, on connaît son sens de la finition. Magnifique ballon travaillé, brossé au fond, on peut en être sûr. Bon, Lestienne qui sort avec le statut d'homme du match, et Mpoku qui tente, le geste du match tout simplement. Le ballon n'était pas à l'arrêt. Il aurait été refusé, je pense, par le VAR, ce but. Beau geste de Mpoku, beau retour aussi. Et la latte en acier qui se prend dans le dos. Il n'y a pas de latte dans les filets afin de protéger les gardiens. Ça paraît un minimum. Quelle frappe de Bocadi. Et là, il faut assurer, bien sûr. Simirot à la retombée. 1-4 pour le standard. Et la reprise de Bocadi méritait peut-être mieux. Méritait peut-être même de finir but. Magnifique reprise pure. Et sur la deuxième, William Dutoit ne peut rien. Bon, mais Samuel Bastien, Simirot, des milieux de terrain, Lestienne, doublé.
c'est une équipe du Standard qui marque de partout. Au Standard, mais évidemment pour les attaquants c'est important, et pourquoi pas, il y a hors-jeu selon le juge de touche. Je ne serais pas étonné, en effet, but refusé malheureusement pour lui. Je ne serais pas étonné, parce que c'est vrai, sur le direct j'ai l'impression qu'il était un petit peu devant au moment de sa prise de balle, et en fait c'est pas évident, hein. Il y a Milovic là qui couvre. Là, il faudra faire appel au VAR. Et vous voyez encore l'état du terrain qui n'aura pas aidé les joueurs. Et Avenatti va certainement monter à la place de Renouimont, qui a fait un grand match dans l'ombre. Beaucoup de duels gagnés, beaucoup d'appels. Peu de ballons servis dans la surface. C'est à signaler et à rappeler aussi. Buts inscrits cette saison pour le Standard. Son capitaine et attaquant Renouimont, c'est de son poste. Lui qui était à 4 buts, qui n'aura pas marqué aujourd'hui. Et qui est donc remplacé par, a priori, l'un de ses successeurs, peut-être, en pointe. Michel Prudhomme espère pouvoir les aligner parfois ensemble. Avenatti, en tout cas, pour prendre du temps de jeu également. Mais Renouimont ne s'avoue jamais vaincu, il ne lâchera pas sa place aussi facilement. 16 buts l'an dernier. À lui de faire mieux, Avenatti. En tout cas, on voit le gabarit, on se souvient de son passage à Courtrai, joueur imposant.